Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'établir une liaison avec l'appareil près du Daily Bugles et de Borg Jonesy. Moi je vous conseille d'aller à Borg Jonesy pour réaliser ce défi parce que le prochain défi, je pense que ça se passe au sanctuaire. Mais je vais quand même vous montrer les emplacements du Daily Bugles. Donc au Daily Bugles il y a trois emplacements possibles, ils sont tous les trois sur les montagnes, donc du volcan, donc il y en a un qui se trouve ici, il y en a un qui se trouve ici et il y en a un qui se trouve ici. Voilà, vous avez trois appareils pour établir une liaison à Daily Bugles et vous avez trois appareils à Borg Jonesy. Donc vous avez un appareil ici près de la pompe à essence, en face de la pompe à essence, vous avez un appareil juste ici en plein milieu de Borg Jonesy et vous avez un appareil plus ou moins là dans l'étang, près de l'étang en dessous de Borg Jonesy. Donc moi je vais me diriger en plein milieu de Borg Jonesy, normalement, il y a un appareil de liaison. Donc pour le repérer plus facilement, je vais regarder en haut à droite. Désolé. Je vais regarder en haut à droite de mon écran, de ma petite mini-carte pour voir si la liaison s'apparaît. Donc là, on voit bien que la liaison apparaît. Et il se trouve juste en dessous de moi. Donc hop, juste à côté du bateau. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement passer sur la liaison pour terminer et valider la première étape du défi. Donc voilà, comme ceci. Enfin bref, voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace!